l'équipe nationale a fait de bonnes prestations lors des deux derniers matchs contre la Chili et le Paraguay. Donc ils nous ont donné de l'espoir. Et ça, c'est très important avant la Coupe du Monde. Voilà, après, moi, j'ai totalement confiance au coach qui est un ami. J'ai joué avec lui en équipe nationale auparavant. Je connais un peu sa mentalité. Et voilà, il a aussi la chance d'avoir de très bons joueurs de qualité. Et voilà, maintenant, comme vous le savez, le Maroc est tombé sur un groupe assez difficile. La Croatie, la Belgique et le Canada, tout le monde les connaît, c'est un petit peu le groupe de la mort. Voilà, il y a espoir que le Maroc passe ce premier tour, Inch'Allah. Pronostic, bah, écoutez, comme je vous ai dit, hein, j'espère qu'ils vont passer ce premier tour. Après, tout est jouable dans le foot. Pour mon premier match contre la Croatie, je pense peut-être un match nul aussi contre la Belgique et j'espère une victoire contre le Canada. Comme je vous ai dit, hein, j'espère qu'ils passeront ce premier tour. Après, vous savez, dans le foot, une fois que vous passez le premier tour, tout est jouable. Vous avez vous engrangez de la confiance, de la motivation et c'est ce qui se passe. Je l'ai vécu moi auparavant. Et j'espère fortement que l'équipe nationale va passer ce premier tour. Moi, en tant qu'ancien joueur, je suis toujours là derrière eux. Et voilà, ça me fait plaisir que cette année, je fais partie des ambassadeurs de Hyundai pour pouvoir assister au match, les encourager de très près. Donc, je serai là derrière eux avec toute la team. Et voilà, j'espère qu'ils vont nous faire plaisir en tout cas. Nous, on est derrière eux.